Hey, salut tout le monde, c'est Spectrol, comment ça va? On se retrouve bien pour le let's play de Pokémon Shuffle pour cet épisode numéro 17 de ce let's play. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus, on va bientôt stream du Pokémon Silver News Auction pour finir enfin ce let's play où ça fait vraiment pas mal de temps que j'avais fait ce let's play. On va enfin le finir, pas pour ma part, vous l'aurez déjà vu, vous aurez sûrement la rediff, mais moi je vais le tourner et franchement j'ai très hâte de le tourner en tout cas. Donc du coup on va se connecter, on va récupérer les 500 pièces. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les 10 connexions vous avez 1000 pièces, voilà. Donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Après, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, je me suis bien fait troll par ce... Par le Pokémon qu'on devait capturer. Parce qu'on a utilisé pas mal de Super Ball. Et puis au bout d'un moment, bah 2500 pendant un certain temps, ça commence à chiffrer. Donc on a perdu pas mal de pièces. Si vous regardez bien dans l'épisode précédent, on était à 25 000 pièces ou 27 000, je sais plus trop. Parce que 30 000 pièces au total, et on est redescendu à 17 930 pièces. Donc comme quoi ça fait un petit peu mal. Hein. Ça prend un petit peu plus de temps, l'installation des données là de la mise à jour. Enfin, c'est pas une mise à jour, mais c'est plutôt... la rencontre Street Pass. Voilà, les données ont été mises à jour. Qu'est-ce qu'ils me font là? Ouais, ok. Ah voilà, mais 500 pièces. Ah oui, c'est un petit peu bête ce qu'ils ont fait. Enfin, quand je dis un petit peu bête, peut-être c'est un oubli. Mais en gros, à chaque fois que maintenant on se connecte pour avoir nos 500 pièces, ben à chaque fois on a cette petite animation pour dire oui, il y a un nouveau Pokémon spécial. Mais en fait non, c'est toujours le méga Lucario qui reste... alors je regarde un petit peu le méga Lucario. Il reste que 5 jours. Je vais essayer de faire un maximum de scores. On va regarder un petit peu les scores, voilà, de ce méga Lucario pour voir les stats des classements. On va voir ça. Moi j'ai vu 30 000 points ou 20 000 points. Ah oui! Ah oui, d'accord, ça a sacrément changé. Ouais, toujours aussi cheaté le Xerneas, hein. J'aimerais bien savoir qu'on peut avoir Xerneas. Il y en a qui ont mieux tout, ouais, très bien, tac tac. Il y en a qui utilisent le méga Flagados. Le méga Flagados qui a l'air vraiment pas mal, on dirait, parce que bah, pour faire 43 000 points, c'est assez énorme, quoi. 50 000 points. Je sais pas, les Japonais étaient à 53 000, un truc comme ça. Maintenant, à mon avis, il doit être à... J'espère pas qu'il soit à 100 000, parce que 100 000, ça serait vraiment un chiffre colossal. Mais je sais pas du tout, donc j'irai demander à quelques personnes qui ont une 3DS japonaise pour savoir, parce que oui, comme je l'ai dit, c'était zoné. Donc voilà. Donc, du coup, on va s'avancer sur la quête principale. J'ai recruté quelques Pokémon, bien entendu, hors vidéo. J'ai essayé d'améliorer mon score un petit peu partout, niveau S, etc. Le Laporeil qui me troll encore. Hein. Attendez, j'essaie de vous montrer. J'ai toujours pas réussi à avoir le rang S. Je sais pas pourquoi. Et on m'a expliqué que pour avoir les niveaux X, alors je crois qu'il y en a 20 niveaux X. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au bout de certains niveaux, donc je crois que c'est le niveau 60 si on a en rang S, eh bien on débloque un X, etc. Enfin, ou alors c'est 60 S pour... enfin, je sais pas. C'est un petit peu... j'ai un petit peu mal compris ce qu'on m'a dit parce que c'était pas forcément officiel, donc voilà. Merde. J'ai perdu mon style. Donc du coup, vas-y, c'est parti pour toi. Azumarill. J'ai envie de tester le méga Flagados. Ouais, j'ai envie de tester le méga Flagados parce que j'ai reçu à le recruter, donc ça sera la possibilité de le faire. Pas terrible. J'espère ne pas être bloqué, surtout Omega 120. Enfin, je veux bien sûr parler de Mega Onilali qui me... franchement, qui me troll pas mal. Hein. À cause de lui, je suis bloqué depuis 5 jours à Pokémon Shuffle. Merci. Hein. Je sais pas comment vous faites pour vous être débloqué après au niveau 120. Mais moi je suis toujours bloqué à ce méga Onyglalie. Et le pire c'est qu'il est que midlife, c'est ça le problème en fait. Il est que midlife et j'ai quand même assez de coups pourtant. Et au pire je prends un coup plus 5, mais même avec le coup plus 5, moi j'y arrive pas. Donc bon.
Ou alors faut vraiment faire du level up, je sais pas. Mais on voit quand même que ça devient de plus en plus compliqué, c'est assez fou quoi. Ouais, je vais prendre ça. Alors on va voir le méga flagados. On va tester le méga flagados, écoutez. Oh la vache! J'ai pas trop compris là. En fait il enlève tous les méga flagados dans le tableau en fait, je crois. Bah, ce qui est pas vraiment quelque chose d'utile si vous n'avez pas beaucoup de méga flagados. Donc c'est un petit peu risqué comme ça peut être très avantageux. Ouais. Ouais, je vois ça plutôt comme ça là, ce méga flagados. Ouais, bah je pense qu'on va l'avoir hein, 84%. Mais vous foutez de moi! Mais c'est n'importe quoi! Bah allez, bah non. Putain, c'est pas possible. 84%! N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est abusé, quoi. Ah non, je suis désolé, mais 84% normalement devait le capturer quoi. Excusez-moi si vous avez eu le son en double en fait. Parce que j'avais mis un peu la musique sur la 3DS et la musique que vous entendez sur le PC, sur le record. Donc ça veut dire que vous avez entendu deux fois la musique, donc excusez-moi si ça si ça a un peu perturbé la vidéo. Voilà. Là à mon avis on va le terminer. En fait non, le Flagados il est bien mais sans plus quoi, en fait. Prochaine fois je le prends pas. Ah nickel. Ah ouais quand il y a beaucoup de méga flagados quand même, ça enlève beaucoup de Pokémon. Ça enlève beaucoup de Link, hein. C'est fou quoi. Allez, je te recrute toi, non? 50? 62? Allez, je te recrute. Mais c'est pas possible! C'est quoi cette malchance? Me dites pas au stream de Soul Silver and the Chain que j'ai toujours pas fait, que je vais perdre! Ah là là! Ah, vous voulez me troller aujourd'hui, hein? Très bien! Très bien! En plus, rang A, même pas rang S, quoi. Stal gamin! Toi tu vas prendre cher à flotte sale game. Ah y'a moyen de faire de beaux jeux là. Y'a beaucoup de galifeux là en tout cas. Serait-ce un signe pour l'avoir en res? Oh mon dieu. Attends, je réfléchis là. Ouais, pof. Il est mignon le petit sale gamin. Tum 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 tum. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, quand même je préfère le méga ténéfique, hein, même s'il est très long, je trouve qu'il surpasse. Il surpasse tout le monde. Je pense la rang S, non?
Et 7 coups restants quand même là. Oh, faut pas abuser. C'est ça qui fait. Nope. Allez, 68. On croise les doigts. Croise les links. Oui, la blague est passée. C'est passé, nickel. Ouais, c'est enfin. Ouais, parce que là, waouh. Nymphalie. Tu vas prendre cher, mon petit. Mon petit. C'est parti. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. Oui, c'est pas terrible, je sais. Qui fait là? Ah, j'ai pas vu. Non, mais t'es bête ou quoi? Mais spectre! Réfléchis! Le méga, voilà! Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout là. Là. Bon, en fait non, c'est pas terrible. Voilà, je fais pas beaucoup de score là, c'est pas bon. Voilà, là, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, et que midlife? C'est comme un mentali quoi. Troll-moi, je te dirai rien. Aïe 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 aïe. En même temps, il a fait tellement de trous, ce nymphalie. Je ne pouvais rien faire. Et voilà. Juste avant de se quitter pour cette première session de Pokémon Shuffle, on va tenter un ex. Oui, je suis comme ça. On tente un ex. Alors, qui est-moi tenter? Personnellement, j'aimerais bien avoir le Lucario. Élector, Dracofeu, truc, et voilà. Mais on va faire Lucario. Non, on va pas faire Lucario. On va faire... On va faire Florizarre. Je vais me taire pendant une minute. Profitez de cette musique. Il y a même troll là. Je peux rien faire. Comme j'ai dit que je me taisais, c'est vrai. Et non, il est con, quoi, il est fou. Boum! Voilà! Fantastique! 22 combos! Voilà! Qu'est-ce qui se passe? Allez, va-t-on recruter ce Florizarre pour cette première session sur Pokémon Shuffle, épisode 17? C'est la question qu'on se pose. 21%! Je déteste ce jeu! Allez, une Super Ball, une seule! Croisons les doigts, croisons les links. C'est parti. Au revoir. Mais non, mais putain, je perds des pièces à cause de lui.
Non mais c'est bon, j'ai compris, je suis nul à ce jeu, merci beaucoup Florizarre. Hop, j'ai au moins eu un rang A, attention, hein. Pas le rang S, mais je me suis concentré, hein. j'ai pas trop commenté le Florizarre, mais bon, bon. Mais on l'a pas recruté. Donc du coup, on se retrouve sur cette deuxième session de Pokémon Shuffle, à tout de suite. Florizarre, je te hais. On va le retenter dans cette deuxième session, je te veux. Et re tout le monde les amis, ah là là ça fait plaisir, on se retrouve eh bien pour la partie 2 de l'épisode 17 du Let's Play de Pokémon Shuffle. Beaucoup de choses à vous dire parce que ça fait au moins une semaine que j'ai pas tourné du Pokémon Shuffle. Alors, beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai participé à l'événement Lucario et je crois que j'ai réussi, j'étais dans les 4000 premiers parce que j'avais un score de 12000. Et sachant que la limite c'était 20000 pour avoir la Lucarite. Bah je suis assez content. Je suis assez content. Normalement, j'ai la Lucarite. On va garder ça. On va regarder ça ensemble. Donc j'ai 10 joyaux pour le moment, donc c'est plutôt cool. On va se connecter à internet. Est-ce que j'ai un stylet? Ouais, parce que si tu joues à Shuffle sans stylet, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. J'ai fini ma petite Madeleine. Voilà. De nouvelles données additionnelles sont disponibles. Voulez-vous les télécharger, bien entendu? Ah, je suis heureux, je suis heureux. En plus, là, je suis du matin, enfin, là je vais reprendre du soir bientôt, mais j'étais content. Bon, j'ai pas pu tourner beaucoup, mais j'ai pu me reposer. J'ai pu faire quelques petits montages derrière, etc., surtout au niveau de Pokémon Shuffle, hein, notamment. Et si on regarde bien, Majora, il est bientôt terminé. Alors après, je sais pas, quand vous allez regarder cette vidéo, est-ce que le Let's Play en live sera terminé de Majora? Est-ce qu'il y a Ocarina of Time qui va commencer juste après? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'est pour ça que je vous en fais part aussi dans cette vidéo pour savoir, eh bien, peut-être que Majora est eh bien fini. Ah, nous vous offrons un cadeau, vous gagnez un retard entrave. Alors ça, c'est parce que pour ceux qui ont participé à l'événement Lucario, en fait, méga Lucario, excusez-moi, eh bien, vous pouvez avoir un retard entrave offert. Et, ah la vache, j'ai vachement descendu parce que j'étais dans les 4000 premiers. Ah la vache, oui, vous êtes numéro 9368. Vous remarquez quand même en un jour, enfin le dernier jour en fait pour avoir la Lucarite, j'étais dans les 4000 premiers et je suis tombé 9368. Comme quoi on voit qu'il y a une grosse activité au niveau des joueurs sur Pokémon Shuffle, ça fait vraiment plaisir. Et on gagne cette Lucarite qui a mérité, je suis content. C'est parti, et on gagne 500 pièces parce que c'est un bonus de connexion chaque jour, bien entendu, et toutes les 10 connexions, vous avez 1000 pièces, tout simplement. On a un nouveau Pokémon qui est apparu, un Keldeo, j'ai eu quelques petits retours au niveau de Keldeo, on m'a dit qu'il était très 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 compliqué à avoir, on va tester ça ensemble en découverte. On a aussi le Pokémon du jour, alors je sais pas c'est quoi, alors le nouveau Pokémon du jour est apparu. Tous les jours un nouveau Pokémon, durée de l'événement, etc. Ils te disent pas le Pokémon, on voit un Marisson, le niveau normal ajouté. Alors on va voir ça dès maintenant. Deux nouveaux niveaux ont été ajoutés, encore plus de Pokémon attendent de vous rencontrer. Et ça c'est plutôt cool, en gros la quête principale, donc à la base je crois que c'est 150 levels. Ce qui va se passer c'est que maintenant on a des niveaux supplémentaires. Alors est-ce qu'ils sont beaucoup plus compliqués que les niveaux 150? Moi j'ai pas encore testé les niveaux 150, je suis toujours bloqué au niveau 120 pour Mega Onyglalie. C'est vraiment dommage, ça fait maintenant presque une semaine, voire bientôt deux semaines, ouais bientôt deux semaines où je suis bloqué à ce Mega Onyglalie niveau 120. J'espère qu'au niveau du cosplay, eh bien je serai pas bloqué parce que franchement j'aurais un petit peu le dégoût le plus total. C'est vrai que c'est un petit peu, ça serait un petit peu dommage. Alors, du coup on va aller en spécial, on va voir le nouveau Pokémon du jour qui est Emolga. Non c'est pas Emolga, non c'est pas Chirisu je crois, ouais, pas Chirisu, voilà. Il nous reste les Pokémon du jour numéro 2. Alors, le numéro 1 on l'a pas eu, hein. Parce que je joue tous les jours à Pokémon Shuffle. Hein. Je geek énormément dessus. Quand je dis geek, c'est-à-dire je joue tout le temps. Quand j'ai une vie, je la prends et je joue. Non mais sérieux, c'est un truc de ouf. Donc du coup, le Pachirisu, on va tester ça. On va tester le Pachirisu et on va tester aussi le Keldeo. Défier le Pokémon fabuleux Keldeo. Il s'agit du seul niveau où vous pouvez rencontrer ce redoutable adversaire. Alors ne ratez pas cette occasion. Vous remportez 5000 pièces. Oh la vache! Après l'avoir battu pour la première fois, 5000 pièces, c'est énorme. Ah franchement, Nintendo chapeau, quoi. Si on arrive
Alors on se dit aussi 5000 pièces, on dit que c'est beaucoup. À mon avis, le défi est de taille aussi. Hein. À mon avis, ça doit pas être forcément facile. Durée de l'événement. Très bien, très bien. Donc du coup, je ne sais pas ce que je vais prendre comme poké. J'aime bien le méga Flagados, franchement je trouve qu'il est assez cheaté. On a eu une bonne opportunité de le voir en action, surtout à l'event méga Lucario, donc c'est plutôt cool. Donc du coup on va commencer tout de suite. Mon stylet qui est un petit peu... Putain, je l'ai mâchouillé le stylet, c'est un truc de ouf quoi. Je sais pas si on avait cet objet, puissance 3, puissance, double puissance des attaques, je sais pas si on avait cet objet, peut-être il a été ajouté en cours des mises à jour. Parce que là on a la 1.3.4 je crois, mise à jour. Donc je sais pas du tout. Voilà. Ce qui est intéressant de voir ça, c'est qu'on a déjà un retard d'entrave disponible gratuitement, 2 mégas départ qu'on n'a pas utilisé lors des codes que je vous avais fait en vidéo pour faire les bonus X, etc. Donc à l'attaque, c'est parti, à l'attaque, à l'attaque. C'est parti, finissez en 20 coups, on m'a dit qu'il était plutôt chaud, on va regarder ça maintenant. Au niveau de ce Caldeo, ah, il commence direct à faire des entraves métalliques. Du coup je vais faire comme ça. Waouh, mais j'ai enlevé que dalle en vie. C'est quoi ce délire? Il a l'air ultra chaud. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok, il y a 18 coups, mais je sais pas, ta jauge descend pas quoi. Et Caldeo, normalement, il est double type, donc haut et combat. Et là, on voit que c'est que de type haut et pas combat. Ok, très bien. Il a l'air très très chaud quand même. Hein. Vivement qu'on fait méga évoluer ce Flagados, parce que là, je sais pas si on va réussir ce level. Hein. Ça serait vraiment sympa qu'on le réussisse en vidéo. Parce que je l'ai pas testé. Je l'ai pas testé hors vidéo tout simplement. Mais j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien avoir un petit peu de chance, tu vois. Ça a l'air assez chaud. Bon allez, il reste 13 coups. On a méga Flagados. Vas-y, fais-moi rêver méga Flagados. Ah bon, tu me fais pas trop rêver là. Tu me fais pas kiffer là. C'est... Ah ah ah. Ouais, bof, c'est pas terrible, quoi. Je dis, ah, ah, mais bon, bof, hein. Du coup, on a le mutisme à proximité, plutôt cool. Allez, méga Flagados. Allez, s'il te plaît, fais-moi rêver. Il faut qu'on capture ce Pokémon. Pikachu, 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 Pikachu. Je sais pas. Ouais, on va dire là. Allez, faites-moi rêver. Faites-moi rêver, reste 9 coups. Il est même pas midlife, le bordel. C'est n'importe quoi. À mon avis, il faut... À mon avis, avec le bonus de retard d'entrave, je pense qu'il est nécessaire pour terminer le niveau. Peut-être on peut le faire hors objet, mais... Je sais pas, il a l'air assez chaud, quoi. Allez, faites-moi rêver, là. Il est même pas midlife, le bordel. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Ah mais c'est n'importe quoi là! Oui, c'est possible de rager sur Pokémon Jeff. Hein. Allez, allez! Allez, il reste 3 coups! Tout est possible ou pas? C'est possible! Allez, fais-moi rêver! Attends, je cherche la meilleure technique possible, tu vois. Ben ouais non mais ah quoi que là peut-être il reste 2 coups. Il a l'air et il est chaud quand même hein. Il est super chaud hein. Je pense pas qu'on va y arriver. Aïe 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 aïe, il faudrait un méga combo de la mort qui tue là s'il vous plaît. Non, on n'a pas assez. C'est dommage. Bon, bah vous avez vu que Caldeo, il est ultra chaud. Il est disponible combien de jours?
J'ai fait 9600 en score, quoi, et je l'ai même pas recruté. Bon, après, à mon avis, avec les Pokémon qu'on a dans la quête principale, je pense qu'après, on va trouver des Pokémon beaucoup plus puissants. Donc, je pense aussi, pour ceux qui sont... ils sont plutôt avantagés pour ceux qui ont fait presque tout le jeu, quoi, en quête principale. Donc, à mon avis, ils sont déjà avantagés. Pour ceux qui ont Mewtwo, tout ça, enfin... Méga Mewtwo, etc. Après, au niveau des méga, moi je trouve que Méga Flagos est intéressant, Méga Ténéfix aussi, mais il est très long à se mettre en place. On a aussi le cas de non, mais oui, qui est plutôt cool, ne nécessite pas beaucoup de link en fait pour le faire méga évoluer. Bon, après, ça dépend aussi des méga, quoi. Kangoura, je le déteste, etc. Du coup, on va tester le Pachirisu, tiens, on va tester ça. Ouais, on va tester avec Osley. Et puis Kyog, je trouve qu'il est... Il est relativement puissant, même s'il est pas super efficace contre les Pokés. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, quoi. Donc du coup, je vais faire comme ça, faut voir. On a fait du 120, quoi. Du 120, c'est pas mal, hein. Alors, on va essayer d'attirer le Pachirisu, là. Non, mais des fois, tu écoutes, c'est marrant, quoi. 99, c'est pas terrible. Je sais pas s'il est chaud à l'avoir, ce poké, mais bah, je pense qu'il est possible, hein, il est possible, tout à fait possible. Hein. Je dis ça, mais je pense pas le recruter. Hein. Ouais. Voir ça. Allez, allez, c'est possible. Allez, celui-là. Non, t'es sérieux? Mais il lui est resté un gramme de vie au Pachirisu. Ok, ça veut dire qu'on a très très peu de chance aujourd'hui. Alors allez, là c'est la partie 2 de l'épisode 17. Alors là, on reprend Pokémon Shuffle et là... Oh, bah non. Ah bah non. Bah non, 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 tu recrutes aucun Pokémon dans cet épisode. Hein. Cette partie 2, bien entendu. Hein. Bah oui, bah oui. Bah oui. Sinon c'est trop facile. Hein. Tu vas être bloqué au niveau 120 comme Mega Onyglali dans ta partie découverte. Ah bah oui. Ah là là. Tiens, 120 dans ta tête. Ça n'a pas fait grand chose. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas mal. Là, il est déjà mid-life, quoi. Le bordel est déjà mid-life, c'est cool. Je sais pas, Osley fait du combien, mais j'ai pas envie de tenter, en fait. J'ai envie de tenter plutôt le Fampi... Je sais pas en face. Je dis qu'il est pas très très chaud, mais bah, il donne du fil à retordre, le petit, là. Hein. On va pas y arriver, hein. C'est quoi ce bordel? Mais non, il a aussi un gramme de vie. Mais c'est... Mais non, mais n'importe quoi. Je crois que la miniature, ça va être un Pachirisu troller. Non, mais... Sérieux, quoi. Oui, d'ailleurs, j'étais en train de vous parler de Caldeo. Ouais, il reste que 14 jours, donc c'est bien ce que je me disais. Et lui, c'est le Pokémon du jour, donc je vous conseille de choper ce Pokémon à chaque fois durant l'événement pour augmenter votre collecte de Link Pokémon. De Pokémon Kawaii, voilà. Putain, pourquoi tu me donnes une fil à retordre comme ça, quoi? Je vais utiliser toutes mes vies, il reste une vie. On n'aurait rien fait dans l'épisode, on aurait vu Caldeo qui limite infaisable, Pachirisu qui nous troll. Ah là 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 là, c'est pas bon ça. Il va prendre cher là. Il prend cher. Ah, tu rigoles moins, hein. Ah, le Pokémon rigole moins là, moi je vous le dis. Hein. Il reste 3 coups, tout est possible. La saisie là, bah oui. Un dernier coup, c'est la mort absolue du Pachirisu. Voilà, dégage. Voilà, en plus on a fait un combo bonus à la fin, quoi. Le Osley. D'ailleurs, j'ai pas vraiment fait attention au niveau du Osley, il faisait combien. Il a un taux de capture de combien, lui? 27%, c'est vraiment pas terrible, hein. Très bien, bah dégage. Dégage, non, pas de Super Bowl, t'es malade, toi.
Juste dégage. Bah, du coup, on va essayer de se... On va essayer d'avancer sur la quête principale. Je pense que je les ferai hors vidéo. Peut-être demain, je tournerai l'épisode 18 partie 1. Ça, c'est clair et net. Parce que j'ai trop envie de tourner du chauffeur en ce moment. Je sais pas pourquoi, hein, mais en ce moment, c'est n'importe quoi. Du coup, on va essayer le... Bah, le... Non, mais oui, écoute. Hein, Nymphalie, excusez-moi. J'ai dit le non, mais oui. Une chose qui est intéressante aussi, que j'ai pas dit dans la vidéo. Alors, pour ceux qui ont pu avoir une Lucarite aussi. Ce qui est plutôt sympathique, hein, les niveaux classés. On n'en a eu qu'un pour le moment et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien sympa. Et je voulais dire, pour ceux qui n'ont pas réussi à être dans les 20 000 premiers, en compensation, ils donnent un joyau. C'est quand même une bonne récompense en quelque sorte, parce que un joyau, c'est pas mal, c'est 5 vies quoi. Ou alors tu utilises pour des pièces aussi. C'est tout à fait possible. Non, qu'est-ce que tu fais là? J'espère qu'il va pas me troll ce Nymphalie, parce que quand tu vois sa tête... Ah, c'est kawaii! Et puis d'un seul coup dans sa tête, ouais, c'est plus kawaii, hein. Oh là là. Je suis en train de réfléchir à cette stratégie, là. De recruter ce poké, mais... Là, c'est pas gagné, quoi. Là, on dirait Caldeo, là, au niveau des dommages. Je pense que... Alors, on va essayer de le faire monter en méga pour avoir plus de chance, mais... On n'aura rien fait d'exceptionnel dans cette partie 2, quoi. Ah, ah, les bonus! Les combos commencent! Ça, ça veut dire... On va l'avoir! Ouais, ouais, on va l'avoir. Allez, allez. Allez, allez le méga, allez le méga Flagados, fais-moi rêver. Oula, on a pas mal de cradopo là. Ah, 152 dégâts, c'est pas mal. Allez, on met un petit méga Flagados là. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, c'est pas mal, oui. Oh bah ça c'est magnifique. Oh là là, là franchement, il a pas eu de chance contre nous quoi. Dégage. Ah là là. Il restait 3 coups restants, et puis on commence à faire encore des bonus. Mais c'est génial. Du coup, est-ce qu'on va recruter ce Nymphalie de type fée? Je crois que ça va être... C'est peut-être le premier Pokémon qu'on a eu... Enfin, je sais, non, peut-être je dis de la merde, donc... Non, je vais rien dire, en fait. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était... je crois que ça serait le premier Pokémon qu'on recruterait un type fée dans Pokémon Shuffle. Mais comme je suis pas sûr, eh bien, je dis rien. Voilà. Et non, mais tu te fous de moi là! Mais non, mais... Ah, dégage. Dégage. Je vais pas... Je vous conseille pas les Super Balls pour le moment. Je trouve qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez haut level au niveau des stages plutôt. Donc c'est pour ça que je me permets pas d'utiliser les Super Balls. Parce que 2500 pièces plus 2500 plus 2500, bah après t'as plus rien du tout. Donc... Après, je trouve que c'est un petit peu chaud par la suite. Du coup, les amis, on va se laisser là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la partie 2 de Pokémon Shuffle et bien sûr la partie 1, vu qu'elle est assemblée en un seul épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pokémon Shuffle pour cet épisode 17. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Pokémon Shuffle. Bien sûr, mes autres Let's Play, bien sûr, mes autres lives au niveau des séries, etc. D'ailleurs, Zelda le Bitumeur est terminé. Quand je dis il est terminé, bon, j'ai pas encore fait le live final, mais à mon avis, quand je vais poster les vidéos, à mon avis, eh bien, il est terminé. Il est terminé Zelda The Beat World. Et Soul Silver est terminé officiellement. Voilà, je vous avais parlé de la partie 1 où je disais ouais, il va avoir un live sur Soul Silver et tout. Et non, il est enfin terminé. J'ai eu énormément de retours, j'ai vu énormément de personnes qui étaient là au live, ça m'a fait plaisir, plus de 79 personnes étaient là sur le live simultané. Franchement, GG, vous avez bien kiffé ce combat avec Red. Alors, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu,
eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, regardez la rediffusion de Pokémon Sojiver en mode Nuzlocke Challenge. Voilà, merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Eh, j'ai vraiment envie, je sais pas, mais là, j'ai une folie de tourner du shuffle, c'est assez abusé. Et j'ai plus de vie, et ça, c'est chiant, parce qu'il me reste 10 joyaux. Et le problème, c'est que, eh bien, maintenant, c'est entre 10 à 15 levels au niveau des boss. Et franchement j'ai envie de tourner hein, donc bah, ça serait demain hein, ça serait demain, c'est un peu chiant hein, c'est un peu chiant. Du coup aussi avant de se quitter, en fait j'ai pas envie de vous quitter tout simplement, et bien en fait avant de vous quitter, eh bien j'ai recruté quelques Pokémon. Alors il y avait du Mentali aussi que j'ai recruté, la plupart étaient en rang S et je crois que je me suis arrêté au niveau, alors que je vous dis pas de bêtises, au niveau 61 en rang S. Ce qui veut dire, ça veut dire que bien du niveau 1 au niveau 61, j'ai fait que du rang S. Et en fait, hors vidéo, j'essaye d'avoir le plus de rang S possible pour avoir les ex, etc. Et sûrement vous faire une vidéo bonus, au moins un total de 30 vies, je pense. Au moins un total de 30 vies pour essayer de recruter ces Pokémon ex qui sont relativement compliqués. Dans ma partie hors vidéo, j'ai pu recruter le Lucario, l'Elector et le Dracaufeu. J'ai eu pas mal de chance. Est-ce qu'on se le fera en let's play, ces bonus là? Est-ce qu'on va réussir à le recruter ou on sera obligé d'utiliser des Super Balls à la con? Ça on verra ça prochainement, voilà. Eh bien on va se quitter là. Sinon je peux encore parler 15 minutes et je récupère une vie supplémentaire. Mais non, on va pas faire ça, donc on se retrouvera bien demain pour le prochain épisode de Pokémon Shuffle. Donc je sais pas quand la vidéo sera postée, mais en tout cas, bah merci à tous et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Moi je vous dis salut tout le monde et on se retrouvera pour la partie 18 de l'épisode. Salut tout le monde! Oh là là, mais je suis au taquet quoi! Ah mais qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Ah mais je suis trop content quoi! C'est abusé! Ah merde, j'ai pas arrêté le stream. Enfin l'enregistrement. Allez, salut tout le monde!